Oh. 16h. On vient de sonner, non? Attendez, attendez, je regarde. Oh! Oh, c'est Florian Hielpo qui est là. Le macroéconomiste dont le bar au DIM. Venez, 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 venez. Venez, rentrez, Florian, il n'y a pas de problème. Venez, venez. Vous attendez dans 10 minutes à 17h, mais vous avez un petit peu d'avance. Bah, vous faites bien de sonner. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes l'invité décalé. Vous avez un temps d'avance. Et c'est important en bourse et sur les marchés d'avoir un temps d'avance. Bienvenue, Florian. On est content que vous soyez là. On va pouvoir profiter de votre présence. En plus, dans une plus grande intimité, parce qu'on vous attendait pour 17h dans le club. Les invités du club arriveront un petit peu plus tard. Donc, on peut peut-être discuter intimement, comme ça, se confier avant que les autres invités n'arrivent. Et si ça ne vous met pas mal à l'aise, bien évidemment. Vous êtes prêts? Bien sûr. Voilà, cette semaine, je vous le dis honnêtement, en me couchant, je repensais à cette dissonance, à tous les soirs, cette dissonance qui m'a frappé, qui m'a marqué et peut-être un peu atteint. Cette dissonance entre les actions et les obligations, Florian. Et du coup, je ne sais plus à qui me fier. Qui anticipe le mieux la croissance à venir? Est-ce que ce sont les actions? Ou est-ce que ce sont au contraire les obligations? Ces deux marchés ont divergé cette semaine. J'aimerais bien que vous m'apportiez une réponse. Qui prévoit le mieux la croissance? Déjà, est-ce que vous confirmez que ces deux marchés divergent? Clairement, avoir un temps d'avance est important et clairement, l'un des deux marchés a un temps de retard. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que celui qui a un temps de retard, c'est le marché des actions. Le marché des actions, il a de la peine à se convaincre qu'on est sorti de cette espèce de pessimisme qui est né de l'été qu'on vient de traverser. On a eu une séquence plutôt positive récemment, il faut le dire. On a des chiffres américains, vous l'avez dit, c'était faisait partie de votre survey, qui sont bien meilleurs qu'attendus. On a les banques centrales qui délivrent enfin ces fameuses baisses de taux. Ça, ce sont des éléments qui sont très positifs. Oui. La Chine, on en parlait encore ce matin. Disons, pour l'instant, on a beaucoup d'engagement et peu d'actes, mais les actes commencent à arriver. Les statistiques chinoises sont un petit peu meilleures. Tout ça crée un environnement de croissance macro. Alors, on parle beaucoup de micro en ce moment, mais d'un environnement macro qui est un peu meilleur qu'attendu. Et ça, les taux l'ont bien salué. On a une progression de 40 points de base sur les taux longs américains, européens. Et c'est ça qui, le soir, quand je me couchais, m'empêchait quelques fois de m'endormir, parce que je voyais effectivement cette semaine les obligations qui se tendait peu à peu, qui nous amenait à anticiper plus de croissance alors que les actions n'envoyaient pas le même message. 50 points de base depuis le début du mois. C'est-à-dire que les taux ont monté autant en points de base que les actions mondent elles-mêmes. Les actions mondes sont en retard, elles ont de la peine à se convaincre. Ben oui. Il faut faire confiance à ce qu'on appelle la global picture, c'est-à-dire la perspective macro davantage qu'à la perspective micro. Et puis, du coup, on parle beaucoup de ASML, on parle beaucoup de LVMH, et on parle beaucoup moins de la moyenne d'écart de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. On a des surprises d'earnings positives. En moyenne, les résultats des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique sont positifs. Oui, donc il faut pas se fier à cette forme de timidité du marché action là depuis quelques jours. En réalité, les perspectives de croissance s'améliorent et ça, le marché obligataire l'a bien vu, l'a détecté. Et le price, c'est le marché obligataire qui dit vrai plus que le marché action. C'est ça votre message? C'est ça le message. Et avec ce message, il y a un élément en plus. C'est que ce que le marché est en train de presser, c'est une revalorisation de la prime inflation. C'est pas une revalorisation de l'action anticipée de la Banque centrale. Le marché obligataire, il dit pas demain la Fed, elle va changer de politique monétaire. Pas du tout. Le marché obligataire, il dit plus de croissance égale un peu plus d'inflation demain. Et un peu plus d'inflation, je vous rappelle que c'est très bon pour les entreprises de façon générale. C'est très bon pour les résultats. On avait même peur que l'inflation recule trop vite. Vous venez de parler de l'onction anticipée des banques centrales, c'est ça que vous avez dit, l'onction anticipée. Alors ça, c'est incroyable. Joliment dit. Ouais, magnifique. Non, mais tu te souviens, on avait une stat en début de semaine qui indiquait que le rendement, en termes de rendement, le rendement était supérieur sur le marché obligataire que sur le marché action. Tout à fait. Désormais. Donc, c'est vrai. Là, on a des dynamiques et des perspectives qui se croisent et c'est vachement intéressant. Il y a peut-être aussi d'autres éléments qui expliquent quand même que le marché obligataire se tend, monte. Parce que vous dites les taux montent parce qu'on voit plus de croissance venir. Non, les taux montent parce qu'aussi on a des chiffres d'inflation qui collent un petit peu, quoi, qui restent un peu supérieurs aux attentes. Enfin, les taux montent peut-être aussi pour de mauvaises raisons, Florian. Oui, mais on a été très habitué à l'inflation mauvaise nouvelle. Cette inflation qui demeure, globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, c'est un signe qu'on aura peut-être un peu plus de croissance demain qu'on ne le pensait. Et ça veut dire que quand on calcule les earning yield de nos indices préférés, si on utilise des earnings du passé et non pas des earnings du futur, c'est-à-dire des earnings forward... Les gains des bénéfices.
les revenus. Exactement. On risque d'avoir l'impression justement que ce marché est trop cher. Il n'est pas nécessairement trop cher. Selon nos estimations, on a encore 10% de performance devant nous avant de pouvoir commencer à dire oui, le marché des actions monde est trop cher. Et vous le savez, il y a de grandes disparités dans la côte entre la France, pour ne pas la citer, l'Europe, la Chine, les États-Unis. La côte est loin d'être uniforme en termes de pricing. Donc il reste de la place pour avoir une progression, un rallye de fin d'année si on regarde la macro. Mais il faut se détacher un instant de la micro. Sabrina. Oui, résultat des courses, on a donc des actions et des obligations qui ont finalement une trajectoire assez différente. D'une part, on a des obligations qui pricent la croissance et de l'autre, des actions qui en doutent. Pourquoi le marché actions, il doute? Il doute parce qu'il a été traumatisé. On lui a dit l'économie américaine, elle est en train de se refroidir. Ça fait peur, se refroidir. On lui a dit, la Fed lui a dit, j'anticipe que le taux de chômage va remonter de 4,1 à 4,4% d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il nous reste 2 mois pour faire augmenter ce taux de chômage de 0,3%. Ce serait relativement, je trouverais ça inquiétant. Ce scénario, aujourd'hui, il est invraisemblable. Et il faut savoir reconnaître quand les choses s'améliorent. On en avait parlé à votre antenne en avril dernier, dans une configuration relativement comparable. On parle de cherté du marché, on ne reconnaît pas que la macro s'améliore, ce qui amènera irrémédiablement à une amélioration de la micro. Il faut le reconnaître aujourd'hui et se dire que rester bullish, ça reste une bonne idée. Bon, et vous êtes optimiste donc sur les perspectives de croissance parce que le message obligataire en la matière est clair, net et sans bavure. Les taux remontent parce que les perspectives de croissance s'améliorent à nouveau. Vous restez avec nous, Florian. Il nous reste 2 minutes à passer ensemble en conseil de famille avec tous ceux qui nous suivent et nous regardent aussi en direct. Facteur X, vous participez, tous vos posts, on les scrute sur les réseaux sociaux. On a repéré ce post de Frédéric Ducrozet, macroéconomiste bien évidemment pour Pictet Wealth Management. Et Frédéric, alors qui connaît bien en plus les politiques des banques centrales, va rebondir. Sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez d'onction anticipée des banques centrales. L'onction anticipée des banques centrales qui vont venir oindre les marchés effectivement, de nouvelles baisses de taux probablement. Et bien pour Frédéric Ducrozet, c'est un tweet qu'il a posté en milieu de journée. Pour Frédéric Ducrozet, la BCE va sans doute désormais baisser ses taux à chaque réunion. C'est ce qu'il dit, à chaque réunion. Sabrina. Et oui, parce que déjà, ce qu'il dit, c'est que la décision qui a été prise jeudi a été prise à l'unanimité, ce qui élimine un peu les discours un peu qui plaident absolument pas pour des discours plutôt durs. Bien au contraire, et aussi compte tenu des vents contraires, il dit ça, qui pèsent sur l'activité de la zone euro l'année prochaine, il pense que le risque que la BCE doive abaisser ses taux encore plus bas, en dessous de la zone de neutralité, c'est un risque qui pourrait arriver. Oui, effectivement, la BCE pourrait, donc d'après Frédéric Ducrozet, qui suit très très près les politiques des banques centrales, elle pourrait baisser ses taux à chaque meeting parce que les perspectives de croissance, selon lui, alors là il vous contredit Florian, sont tellement faibles ici en zone euro, tellement faibles que la BCE devra baisser ses taux sous le taux neutre. Ce qui serait signe, Antoine, qu'effectivement la situation n'est pas gagnée en termes de croissance. Florian, là, ça contredit ce que vous venez de nous dire sur ces merveilleuses perspectives de croissance. Ouais, le marché obligataire est optimiste. Non, la BCE, si elle baisse ses taux, c'est surtout parce qu'on manque de croissance. Clairement, mais il y a de la disparité dans la situation. La situation européenne, ça n'est pas... Enfin, européenne, la situation en zone euro, pour être spécifique, n'est pas la même que la situation aux portes de la zone euro, n'est pas la même que la situation aux États-Unis. La zone euro est en train d'atterrir, je suis parfaitement d'accord avec Frédéric, c'est un excellent économiste, et je suis 100% aligné avec ce qu'il dit. On va continuer à avoir des baisses de taux parce que, oui, il y a ralentissement, mais surtout, la politique de la BCE aujourd'hui, elle reste contraignante pour la zone euro. Et il faut mettre un terme à cette contrainte.